Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mind Test for Fun. J'espère que vous allez bien les amis. J'espère aussi que ce petit timelapse vous aura convenu. Entre-temps, j'ai planté 2-3 arbres en plus, hein, histoire de mettre un peu de végétation devant tout ça. Et ça donne plutôt bien, je trouve. Et aussi, j'ai construit un petit chemin qu'on va aller voir juste maintenant. Et qui va permettre tout simplement de relier cette route-là à la maison romaine en fait. En passant par ici, c'est pas tout à fait fini encore. C'est bordure, c'est bien à faire, mais enfin, c'est rien de grave. Et là, quand on arrive là en haut, hop, on a une petite passerelle en bois et ensuite un petit chemin qui longe la falaise gentiment comme ça. Voilà, un petit point de vue parce que. Oula, ça. C'est un peu de peine. C'est mieux comme ça, voilà, c'est pour ça. Donc un petit point de vue qui est ma foi fort sympathique. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié dans le timelapse de faire toute cette zone-là. Et comme ça prendra un moment, et eh ben je ne vais pas le faire tout de suite. Voilà. Et puis si on monte ici, hein, on arrive donc à la maison romaine. Il y a encore 2-3 choses à faire, hein, niveau chemin pour naturaliser un peu tout ça. Pour justifier aussi le fait que d'un côté ça parte un peu d'un côté ou de l'autre. Je sais pas encore comment je vais tourner ça exactement, mais enfin, je trouverai bien une solution en temps voulu. Voilà, ensuite, plein de nouveautés pour cet épisode. Déjà pour Home, la maison. Tout simplement, maintenant nous avons 2 boutons, un bouton pour la maison, un bouton pour Pete, c'est la mine. On peut y aller ou faire un set pour le fixer, donc ça nous fait 2 points de téléportation. Et bientôt, vous aurez encore un bouton pour le spawn en plus et un autre bouton pour inviter quelqu'un. Par exemple, si vous avez une mine au fin fond de nulle part, et comme vous voyez, hein, ça marche impeccablement. Donc là, je vais nous retrouver à notre point de départ de juste avant, mais en fait, c'était l'autre que je voulais aller. Allez, où? Ah, et ben, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, les deux sont liés donc. Mais les temps ont été nerfés donc c'est maintenant 2 minutes en fait entre les deux donc c'est pas gênant. En 2 minutes on est largement à la maison. Largement à la. Que voulais-je dire? À l'usine publique. Où il y a eu 2-3 petites choses aussi qui se sont déroulées. Alors, du coup j'y vais et on se retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve devant l'usine publique qui est actuellement fermée. J'ai marqué en grève, l'argent des employés est parti dans les portes. Ça fait un petit moment en fait, ça date d'avant les fameux mouvements de grève en France. Je pense que je n'aurais pas fait ça autrement. Mais c'est juste que tout simplement, bah, j'ai pu aller miner pas mal, j'ai pu trouver du mithril. Et je me suis dit que c'était un bon moyen de le stocker ici de façon temporaire. Sachant que ça me permet de fermer l'usine publique. D'ailleurs, j'ai même mis de la terre devant les coffres. Tout simplement parce que on a des gros soucis en ce moment avec Pipeworks et Mezecons. Donc, ils vont être complètement nerfés de façon à ce que les usines fonctionnent toujours, mais soient nettement moins efficaces et génèrent beaucoup moins de lag surtout. Parce que c'est un gros problème actuellement, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui veulent faire des usines qu'on se retrouve avec beaucoup de lag. À côté de ça, nous sommes maintenant à l'opéra. En fait, on a retravaillé dessus avec Farfadet 46 pour le rendre beaucoup plus classe et lui donner un vrai côté, voilà, un vrai côté réaliste, quoi. Enfin, quelque chose d'un peu plus classe avec des loges de côté, avec aussi les. Comment? La salle est moins raide qu'avant et c'est plus une espèce de pente 45 degrés qui vous amène directement devant la scène. Et ça donne vraiment super bien. Ainsi que l'éclairage, le toit, je trouve que c'est vraiment bien fait. Sauf que c'est juste des petites torches cachées derrière. Hein. C'est pas très sorcier, mais ça donne très bien. Et puis vous voyez les petites loges VIP, hein, on voit quand même relativement bien la scène. Et bien sûr, le top du must, c'est celle qui est tout devant. Voilà. Où vous voyez super bien tout ce qui se trouve là. Après, elles sont pas tout à fait finies, mais je sais pas encore ce que Farfadet veut mettre. Pour ma part, ben, c'est vrai que je pense que j'ai pas tout à fait de temps pour ça parce que ben, j'ai beaucoup de projets aussi. Et c'est vrai que l'opéra, c'était surtout Urasa et Farfadet qui étaient partis dessus. Et je m'étais lancé aussi un petit peu comme ça pour voir, mais sans.
Ouais, mais peut-être un peu en plus, quoi, juste pour donner 2, 3 petites idées. Par contre, une superbe idée que j'ai vue et que je voulais partager, qu'on voit juste là-bas, et ça, je trouve que ça donne super bien. C'est un bateau qui a le mât qui s'est cassé, et du coup, ben, crac, c'est tombé et c'est passé à l'eau. Et si le mât s'est cassé, c'est probablement lié au choc que vous avez devant, puisqu'il y a tout un iceberg en fait. Voilà, donc le bateau s'est pris un iceberg et il a pété son mât. Bon, alors vous me direz qu'il y a un cocotier juste derrière, hein, mais ma foi, vous avez qu'à avoir une distance de vision faible et comme ça vous ne voyez pas le cocotier et vous êtes content. Voilà. Alors sur ce, nous allons repartir du côté du Stepit. Allez. Zou Toupit. Voilà. C'est très bien. Et nous allons partir sur un nouveau projet. Donc déjà, nous avons ici toute la zone là qui va être encore recouverte de terre, hein, complètement terraformée. Ce sera aussi, on continuera un peu cette espèce de forêt, cette forêt bizarroïde. Il y a beaucoup d'acacias, je me suis rendu compte, mais j'aime assez. Je trouve que c'est un arbre qui est plutôt sympa. Après, il mérite d'être retravaillé. Pour l'instant, ils sont tous au naturel, sauf celui qu'on a là où j'ai rajouté 2, 3 trucs, plus son copain là qu'on a vu dans le dernier épisode. D'ailleurs, j'ai enlevé le petit morceau qui dépassait. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire maintenant. Ça, je le ferai hors caméra ou peut-être dans un live, parce que j'aimerais bien vous offrir cette possibilité-là. J'ai pas encore de date, mais promis, je vous la donnerai minimum 24 heures en avance. Donc, vous verrez bientôt une annonce de live, et puis ben, on dira quand c'est, où c'est. Voilà. Non, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt partir de ce côté-ci. Et vous voyez qu'ici, on a une grande terrasse bien en hauteur. Et je me suis dit, étant donné qu'on a la scierie juste là, et qu'on a toute une forêt, pourquoi ne pas faire une espèce de, j'allais dire, une espèce d'arbre de vie. Donc, je me suis pris les plans à partir d'une photo disponible sur Wikipédia. J'ai rajouté un quadrillage devant et je me suis fait un plan pour construire un tout petit arbre qui fera, je vais juste contrôler pour être sûr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Donc, il fera dans les 8 ans de blocs de haut à peu près. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, une centaine de blocs de large, de diamètre. Donc, ça peut vous donner une idée. C'est du même. C'est pas aussi gros que la tour Eiffel, évidemment, que j'avais faite l'autre fois. Mais il y a plus de blocs, je pense. Ah oui, j'ai encore un truc qui est là. Oui, j'ai balancé de l'eau, en fait, pour la bonne vie technique. Hein, c'est juste pour se débarrasser de tout ce sol tout sec. Et puis, ce qui est bien, c'est que juste là, du coup, on a un magnifique. Nous avons un magnifique tour pour le tronc déjà qui est tout prêt. Donc ce sera assez facile à mettre en place. Ensuite, je pense que je mettrai quelques grosses racines aussi qui vont dépasser. Et bien évidemment, cet arbre sera creux de façon à ce qu'on puisse monter au milieu. Et on verra ce qu'on en fait après, hein. Pour l'instant, j'ai déjà pris quelques centaines de blocs dans ma. Je les ai pris, ben, évidemment, dans l'usine à bois. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à poser mon petit truc. Alors, pour ça, il faut que je contrôle. Mon arbre doit faire à peu près 14 blocs de diamètre en bas. Mais là, on a 16. Donc, en fait, si j'ai à peu près 14, je pense que je peux partir sur quelque chose comme ça, sans que ça pose de réelles difficultés. Par contre, il faut que je fasse gaffe. Voilà. Ensuite, on va enlever celui-ci. Voilà. Là, on va. Tac. On va se donner de la place. Ouais. Alors, s'il te plaît, j'aimerais que tu sois quand même correct, hein. Voilà. Peut-être que vous notez aussi que je suis équipé d'outils au mithril, qui sont d'ailleurs bien usés. C'est normal, hein, pour. Puisque je vous ai dit avant, hein, j'ai pas mal pu miner et donc j'ai enfin pu me faire un vrai stuff. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que franchement, c'est cool d'avoir des outils qui fonctionnent et qui durent un bon petit moment. Tac, tac. Ok.
Voilà, là on commence à avoir quelque chose de correct, hein. Je pense qu'on va revenir par là. Ok, voilà. Et ici, pourquoi pas faire un petit renflement comme ça? On aurait une racine qui viendrait jusque là. Voilà, ça me paraît assez bien comme tour. Donc, en fait, ce que j'ai comme actuellement, ce que j'ai pris comme proportion, c'est juste en deux dimensions. Donc, ça veut dire que je vais devoir reconstituer trois dimensions à partir de ces deux-là. Donc, il y aura un côté où ce sera à peu près correct par rapport à la photo et le reste sera relativement improvisé. Mais je me fais pas trop de soucis, j'ai des bonnes proportions, donc ça va me faciliter les choses. Voilà. Et bien sûr, la nuit tombe. Alors, comme je suis tout seul sur le serveur, je vais aller faire un petit dodo. Mais avant ça, vous notez juste quand même un truc, c'est que même si maintenant il fait gentiment nuit, on voit encore assez bien. C'est tout simplement parce que, oui, j'ai activé les fameux shaders avec les couleurs, hein, ce que vous avez pu voir sur ma dernière vidéo qui a été publiée. En fait, elle est publique depuis un bon petit moment. Alors, un petit map fixe pour l'eau qui coule pas. Merci beaucoup. Allez, cool, saleté d'eau. Pardon, je commence à m'embrouiller. Il est un peu tard au moment où j'enregistre cet épisode. Donc oui, j'ai publié, enfin, en fait, j'ai publié en février une vidéo avec que j'ai dit que j'appelais Mind Test for Fun avec des shaders, avec un point d'interrogation après. Les shaders en fait existent déjà depuis longtemps sur Mind Test, mais ils n'ont pas du tout le même effet que ce que vous trouvez comme shader sur Minecraft. Par contre, ce qui a changé, c'est les rendus des couleurs. Et en fait, cette vidéo était une vidéo simplement de démonstration, et je l'ai publiée il y a très longtemps, et je l'ai mise derrière une description d'un de mes épisodes. Et il y avait eu 10 personnes qui l'avaient vu, et il y a quelques temps, bah, je l'ai remontré à quelqu'un, et il m'a dit: Ah, mais c'est dommage quand même, pourquoi tu la publies pas officiellement? Et je l'ai fait, et du coup, elle a eu beaucoup de succès, même à tel point que quelqu'un m'a même piqué ma vidéo pour la réutiliser telle quelle. Alors normalement, vous avez le droit, il n'y a pas de problème de réutiliser mes vidéos. Juste une chose que je demande quand même, c'est que on donne mon nom, on dise qui a fait la vidéo d'origine, ce qui me paraît tout à fait cohérent finalement, hein. Et alors cette personne ne l'avait pas fait, alors j'ai trouvé ça un petit peu pas terrible, hein, franchement. Et après, alors il m'a crédité, entre parenthèses, merci beaucoup. Donc c'est vraiment, ah oui, c'est lui qui a fait la vidéo, mais non non, ne vous en occupez pas. Hein, il est pas, il compte pas, c'est pas grave, c'est pas important. Enfin bon, c'est pas grave. Au moins je suis crédité, c'est déjà quelque chose. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Ok, donc on a fait une petite sieste. Ouh, là je trouve que c'est pas tout à fait droit tout ça. On va faire comme ça. Voilà. Donner un peu de relief, hein, ça fait vraiment du bien. Ok. Voilà, de toute façon, il faut que je monte au moins deux blocs partout. Tout simplement parce que, ensuite, quand on va changer de. Le but, c'est que depuis en bas, ou même depuis un point de vue relativement élevé, comme en face là-bas, on ne voit pas ces parties blanches, qu'on voit vraiment que le brin de l'arbre. Ce qui paraît assez cohérent, hein, finalement. Ok, comme ça, c'est bon. Alors, là, je fais des bêtises. Ah, mais oui, c'est parce que j'utilise la. Il faut que j'arrête d'utiliser la majuscule. Shift, tout simplement, je l'utilise pour pouvoir poser des blocs sur le celui sur lequel je me trouve, ça aide. Pas systématiquement, mais très souvent. Et là, bah, pour le coup, ça m'aide pas en fait. Voilà. Là, 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 là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pourra faire des trucs super chouettes, hein, dans cet arbre. On va pouvoir mettre beaucoup de choses, je pense. Par contre, c'est bizarre. Je pensais que ça se remplacerait automatiquement. Ok, là, on va mettre aussi un petit poil. Non, mauvaise idée. Il faut que je la mette juste après. Voilà, là, je pense que ça peut le faire. Ok, impec. Voilà, et on revient de ce côté-là. Ce qui fait qu'on a un tout début d'arbre, évidemment. Hein. Mais ça permet déjà de vous donner une idée de la taille du tronc à la base. Sachant que c'est basé donc sur une image de chêne. Hein. Et je pense que pour entrer dedans,
On n'ira pas directement par là. Il y aura peut-être un tunnel juste ici. Ça pourrait être sympa. Alors, j'ai déjà le creusé, mais je pense qu'on va arriver. Ah ouais, bah oui, on arrive sous l'arbre, évidemment. Alors, on va remonter par là. Tac. Voilà. Évidemment, on fera quelque chose de propre, hein, parce que pour l'instant, c'est vraiment un peu du dégueulis. C'est juste pour avoir une idée. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que on a notre racine, donc on va pouvoir revenir un peu comme ceci, vers l'intérieur. N'y a pas de raison non plus d'aller super loin, hein, avec ça, je veux dire. Mais c'est vrai que ça va nous rappeler 2-3 souvenirs, hein, avec la tour Eiffel, pour ceux qui s'en souviennent, si vous étiez déjà là. Puisque j'avais commencé une tour Eiffel en taille réelle sur MFF premier du nom. J'avais atteint la hauteur du troisième étage, et à ce moment-là, on avait eu le problème de reboot serveur. On avait tout redémarré à zéro, donc malheureusement, j'avais tout perdu. Et j'espérais la récupérer, en fait, ça a jamais pu se faire. J'ai pas pris le temps non plus d'aller redemander aux bonnes personnes qui m'avaient proposé de me passer une sauvegarde du terrain. Donc voilà, malheureusement, je ne sais pas si ça se fera un jour. Hein. Mais voilà, c'est pas grave, hein. Je veux dire, on pourrait. C'est vrai que je pourrais la recommencer en créative une fois, mais je sais pas. C'est quand même beaucoup de temps, hein, d'énergie. Et là, je pense que pour un arbre, c'est peut-être plus facile à faire. Parce que finalement, je suis moins dépendant de. D'un modèle. Je peux le faire comme je veux et je peux l'agrandir quand je veux. Donc au début, ça fera surtout un grand tronc, mais après, ça pourrait tout à fait s'amplifier et devenir, devenir un arbre, quoi. Tac. Voilà. Là, on monte aussi. Nickel. Je crois que ça donne assez bien jusque-là. Déjà. Un truc bizarre, ça ne se remplace pas les blocs. Il y a souvent ce qu'on utilise comme bloc, il se remplace automatiquement dans la main quand tu n'en as plus. Et c'est pas le cas pour les troncs d'arbres. Il faudrait que je pose la question à quelqu'un qui sait, enfin si même vous le savez, vous pourquoi. Hein. Ça pourrait être intéressant de changer ce comportement et de mettre pour tous les blocs, en fait, que ça se remplace automatiquement. Ça me paraîtrait assez logique. Ok, et là on est dedans, donc on va commencer à pouvoir monter. Donc si j'ai ma sortie de tunnel qui est là, on va se donner un escalier comme ceci. Bah oui, hein, on est dans un jeu vidéo, on fait un arbre creux. Nah. Et le premier qui râle, eh ben il râle. Voilà, et on se donne une forme qui a un côté naturel. C'est vraiment. Notre arbre, il a poussé comme ça, donc il n'est pas tout à fait rond. Il est un peu décalé. Et puis peut-être qu'on repartira sur l'extérieur aussi, pourquoi pas. Y a vraiment, il n'y a pas de limite. Hein. Tiens, ici, on va repartir sur l'extérieur. Si j'arrive sans. Ouais. Ok, on va mettre ça, ça fera un peu de relief en plus. Comment est-ce que je vais mettre ça? Limite, je peux presque le mettre. Je me rends compte que je peux le mettre depuis tout en bas. Voilà. Et vous voyez, on commence déjà à avoir un tronc qui monte et qui se resserre un peu. C'est bien le but. Donc on est content. Voilà, on va donner un peu de terre en plus. Ouais. Et puis il faudra mettre quelque chose un peu pour faire des grosses racines qui ressortent. Hein. Ouais, ça donnera vraiment super bien, je pense. Voilà. Mais mine de rien, ça monte assez facilement en fait. Je pense que ce sera une jolie construction et qui sera pas trop difficile à faire en temps de travail, n'est-ce pas? Limite, on pourrait presque faire déjà une branche qui partira vers là-bas. Je le fais vraiment sans me casser la tête, hein. C'est pas le but. Le but, c'est de faire quelque chose de joli et reposant et chouette, tout simplement. On va pas oublier les trous quand même. Ok, ça me paraît pas trop mal. Ok, les amis. Alors, j'ai posé pas mal de petits bois dans mon coin là. Hein, je vous ai fait 3 ellipses histoire de blablater, mais pas trop quand même. Hein, sinon, il y en aurait eu pour 2 siècles. Et pas forcément des plus intéressants. Donc c'est pas le but, hein. Le but c'est que ça reste chouette pour vous.
Évidemment. Sinon, je ne vous ferai pas des vidéos. Je veux dire. Voilà, enfin, c'est quand même. Je fais ça pour moi et je fais ça pour vous. Ok. Alors, du coup, notre arbre. Notre souche, notre début de tronc d'arbre. Il donne vachement bien. Je suis assez content. Alors, franchement, il y a peut-être juste. Voilà. On va mettre ça un peu. Faudra mettre un peu de la. Deux, trois trucs, de la terre, des cache-misères comme ça. De l'herbe aussi devant. Et on va retourner voir ça depuis le petit point de vue de l'autre côté afin de se donner une petite idée de ce que ça va faire. La 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 la. Alors par contre, là, c'est vrai que je m'en veux un peu parce que j'ai absolument pas vu ce bout-là. Et du coup, c'est pas parti dans le time-lapse. Il faudra vraiment que ce soit fait. Hein. Ces falaises faites avec la terre et du sable assemblé, ça ne veut rien dire. Hein. Je veux dire, on aurait un truc comme ça pour de vrai, ça s'effondrerait en 5 minutes. Ou 5 secondes. Je sais pas trop. Enfin, ça, c'est 5 quelque chose. Voilà. Et comme vous voyez, on a un aperçu sur la base de notre arbre, le tout début. Et on voit que ça vraiment, ça donne un truc gigantesque. Hein. Il va venir comme ça. Oula, le jeu de la peine à suivre. Mais ça fera vraiment un grand truc comme ça. Hein. L'idée, c'est que ça fasse. Ça prenne un bon bout du champ de vision. Et moi, je pense que ce sera vraiment une très très chouette idée. Voilà, donc. Du coup, je vais vous abandonner là-dessus. S'abandonner, façon de parler, hein. Je vous répète que je vous ferai une petite annonce pour un live prochainement où on fera de la. Ce sera du terraformage ici tranquille, hein. On va remplacer tout le sable là par de la terre. Et pendant ce temps, on pourra blablater tranquillement. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais peut-être pas assez souvent. Et je me dis, bah, ça peut être très chouette d'échanger un peu avec vous, discuter, etc. Sachant que, bah quand même, vous êtes. Y a des gens des fois qui discutent, qui me posent des questions, qui ont des choses à. Et qui aimeraient savoir des trucs, et je me dis, bah, autant qu'à faire, autant le faire en live, comme ça, bah, vous pouvez aussi interagir directement, c'est peut-être plus cool. Je vais commencer des petits tutos par rapport à Mindtest et MFF. Il y aura une petite vidéo de tuto par épisode. Et le tuto d'aujourd'hui, ça va être comment protéger une area qui vous sera fournie tout simplement dans un lien de la description. Et comme ça aussi, ça veut dire que si vous avez un problème, typiquement, vous savez pas comment protéger une area, que vous savez pas utiliser une scie circulaire, que vous avez besoin d'astuces pour le build, eh ben, j'essaierai de vous mettre un petit tuto à chaque fois. Après chaque vidéo, enfin pas après, mais en complément en fait, qui sera publié en même temps. Et comme ça vous permettra de découvrir aussi des choses que vous ne connaissez absolument pas, ou que vous connaissez déjà mais que vous ne savez pas utiliser. Enfin, ça devrait pouvoir vous. Et ça permettra aussi à nous de. On a souvent les mêmes questions qui reviennent. Typiquement, ah, oh, c'est marqué d'utiliser des areas, je fais comment? Pour protéger la maison, je ne sais pas. Bah, ça, c'est un truc typique que on peut répondre. On peut y répondre en vidéo et ça permet que, ensuite, plutôt que de réécrire à chaque fois les mêmes explications d'une personne à l'autre, eh bah, finalement, on dit, bah, écoute, va regarder là, tu auras toutes les réponses. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre couleur préférée ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Évidemment, bah, c'est aussi ce qui aide à faire vivre la chaîne, hein, à me faire progresser. Donc c'est super important pour moi d'avoir des retours. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MFF ou d'autres choses d'ailleurs. Ciao tout le monde!